Maintenant, on entre dans le vif du sujet. Je vais beaucoup moins parler. Je vais laisser la parole à Gérard Poulain, qui est au bureau national de l'UPR et responsable des collectivités locales et qui est maire de Vieux-Bourg en Normandie, qui est un village qui compte 100 habitants. Et puis Frédéric Robert, qui est à l'UPR, qui avait d'ailleurs déchiré ou coupé de façon spectaculaire sa carte de membre des Républicains, ça peut arriver à tout le monde, qui nous a rejoint à l'UPR, qui est maire de Monnetier-Almont avec 380 habitants, je crois, c'est ça à peu près. 320. 320, oui, mais vous savez, ils ont fait des petits. Hein. Oui, oui, on fait des petits. 320 habitants. D'ailleurs, vous n'y êtes pas pour rien, peut-être. Non c'est une honte. Ça fait partie de la fonction de maire, dit Madame Poulain, mais mes compliments. Ça fait partie de la fonction de père, surtout. Les maires sont pères. Donc, Monnetier-Almont, dont nous avons d'ailleurs donné, parmi les lots d'hier, il y avait du jus de pomme pétillant bio qui est délicieux. J'ai le plaisir de rappeler que, à la fois Gérard et Frédéric m'ont parrainé pour les élections présidentielles, donc il faut toujours les en remercier. Alors, on va commencer notre débat et je vais maintenant donner la parole à Gérard qui va nous parler un petit peu de ce qu'il va nous parler, c'est à lui de le dire, sur ce drame en fait qui est en train de se nouer, parce que c'est un drame, hein, là on rigole, on est entre amis, mais ce qui est en train de se passer est excessivement grave, puisqu'on s'attaque à l'âme même de la France. Avec la destruction programmée, la fusion au forceps de petites communes rurales, alors que les Français ne le veulent pas, et également la destruction programmée des départements, dont je rappelle qu'ils furent créés en 1790 pour assurer l'égalité entre tous les citoyens français et qu'on avait, à cette occasion, détruit les provinces d'Ancien Régime. Je laisse la parole à Gérard Poulain. Merci, Président. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vois que vous êtes encore très nombreux ce matin, c'est encourageant. Alors je vais commencer par planter un peu le décor en vous disant que la situation que nous vivons aujourd'hui a été mise en place par deux lois qui sont très importantes auxquelles on n'a jamais demandé l'avis des élus. C'est la loi NOTRe et la loi MAPTAM. Alors, si vous allez fouiller un petit peu dans la loi NOTRe, vous verrez qu'en filigrane, il est écrit qu'on va vers la disparition totale des communes et des départements. Parce que les échelons qui doivent exister, ce seraient les intercommunalités, les grandes régions de France, que M. Hollande a mis en place, et ensuite l'Union européenne. On n'aurait plus que ça. Voilà un petit peu la configuration dont on nous décrit. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que c'est une trajectoire qui est ourdie minutieusement par l'aristocratie technocratique. Ça a été mis en forme par le gouvernement de Nicolas Sarkozy, peaufiné par celui de François Hollande, et le Parlement qui a voté les lois MAPTAM et loi NOTRe. Ne l'oublions pas. Appliqué avec gourmandise ou inconséquence, selon les députés, par le gouvernement d'Emmanuel Macron, dont certains membres adeptes de la méthode Coué, s'échinent à dire, au risque de la provocation, que tout va bien entre le gouvernement et les associations d'élus. Ce qui, bien sûr, est entièrement faux. Alors pourquoi je commençais par planter ce décor? Parce que, en fait, toutes ces lois, la loi MAPTAM, c'est la loi des grands mots, la loi NOTRe, nouvelle organisation des territoires de la République. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et la loi MAPTAM, donc on va vers des grands ensembles. C'est la modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Voilà, quand vous avez entendu ces deux mots, je crois que vous avez compris la situation. Alors, au niveau des communes, on force plus ou moins à faire des communes nouvelles.
On commence à voir d'ailleurs quelques problèmes à ce niveau-là, puisque j'ai rencontré hier un élu des Vosges qui me disait qu'il y a une commune qui était entrée dans une commune nouvelle et puis qui aujourd'hui, elle a dû être forcée certainement, et aujourd'hui elle voudrait en sortir. Le problème, c'est quand on avait des fusions de communes ou des communes qui travaillaient ensemble, eh bien, il y avait une possibilité d'en sortir, les jumelages, c'est ça, ou les renforcements de communes. Sauf que dans la loi avec les nouvelles communes, vous y entrez, mais vous ne pouvez pas en sortir. Il n'y a pas aucune possibilité. Donc, cette commune qui doit être, de mémoire, ça doit être Gérardmer, je crois, qui... je vois qu'il y a un collègue, voilà, qui cherche à en sortir, en fait, mais elle est obligée de passer par le tribunal administratif, par un jugement, en fait, et ce qui est assez compliqué. Alors, ils mettent en place, donc, ces nouvelles communes, ce qui implique des choses, des conséquences importantes au niveau de chacun de vous, parce que les communes historiques disparaissent systématiquement. Le numéro INSEE de la commune est supprimé. À tel point que dans notre département, le Calvados, il y a une commune nouvelle qui s'est formée auprès de Caen, avec, je crois, une dizaine de communes. Et dans la dizaine de communes, il y a une ville qui s'appelle Thury-Harcourt, dans laquelle devait y avoir une petite maternité. Donc il y avait forcément des naissances, et ainsi de suite. Aujourd'hui, cette commune est devenue une commune nouvelle qui s'appelle la commune du Haume. Et cette commune, le nom a été choisi, ils ont choisi le nom, enfin qu'importe. Et aujourd'hui, ils se rendent compte que des gens ont des difficultés pour obtenir des documents d'état civil. Parce que la commune de Thury-Harcourt ne figure plus. Eh oui. Donc ils doivent, d'ici la fin d'année... procéder à un référendum pour pouvoir changer le nom de la commune et qui deviendrait peut-être Thury-Harcourt-le-Haume. Enfin, ils sont en train de voir comment ils vont gagner ça. Mais voilà, on en est là. Les aberrations de ces changements qui, en fait, ne sont pas mesurés. Ça, c'est pour les communes nouvelles. Alors, la deuxième chose, c'est que on a obligation, on nous force un peu la main, oui. Tant qu'on arrive dans les petites communes à gérer nos budgets et à monter nos budgets, ils n'ont pas tellement la main, ils ne peuvent pas tellement avoir de prise sur nous. Sauf que vous avez entendu parler ces derniers temps qu'ils nous baissent nos dotations chaque année. Il y a encore 3 milliards qui vont être supprimés cette année. Ce qui fait que si on diminue nos dotations, à un moment, on ne pourra plus rédiger nos budgets. Donc là, le préfet nous dira, écoutez, faites une commune nouvelle. Donc voilà comment ça se passe un petit peu. Voilà. Alors donc, moi, j'ai une petite commune qui a une centaine d'habitants. Où je fais de la résistance parce que je n'ai pas du tout envie que ma commune soit fondue dans une commune nouvelle. Et indicatif comme ça, le 9 mai, qui est la journée de l'Europe, je n'ai pas mis de drapeau européen, mais j'avais descendu mon drapeau et je l'ai mis en berne. Alors, pour vous décrire un petit peu... l'intérêt des maires, parce qu'aujourd'hui, on est en train de nous dire « Oui, mais les maires n'en veulent plus, sont tous en train de démissionner, on aura des difficultés pour en trouver ». Alors, des difficultés pour en trouver, oui, parce qu'on a tellement mis de contraintes aujourd'hui et de poids sur la tête des maires que finalement, il n'y a plus beaucoup de volontaires. Ça, c'est un peu vrai. Alors, je vais vous rassurer quand même. Sur la difficulté de trouver des maires, des maires qui démissionnent, bon, moi, ça ne m'inquiète pas trop, parce que quand on a vraiment la foi, qu'on y croit, quand on s'est engagé vraiment pour quelque chose, on n'a pas vraiment envie de démissionner. Alors, je dirais que ceux qui démissionnent un petit peu, bon, ils n'avaient peut-être pas la vocation pour le faire. Hein, alors, c'est peut-être pas plus mal. Ou alors, on se rend compte que tous ces nouveaux maires, la plupart des nouveaux maires qui ont été élus en 2014, ce sont ceux-là qui... dans les 2 ou 3 années après, se sont rendus compte de l'ampleur de la tâche et de la difficulté, et qui s'empressent de faire une commune nouvelle. Moi, j'ai dans notre département beaucoup de communes qui... le maire ne va pas se représenter. Alors, il a tellement peur qu'on trouve quelqu'un à sa place. Je ne sais pas, je ne comprends pas cet état d'esprit. Eh bien, ils s'empressent de faire une commune nouvelle. Comme ça, il dit, ça y est. Mais tout ça, c'est fait dans le dos des habitants, hein, parce qu'on ne leur demande pas leur avis. Et j'ai entendu un jour des collègues parler entre eux, dont un qui avait fait une commune nouvelle, qui disait « Heureusement qu'on ne demande pas l'avis à notre population, sinon on n'y arriverait pas. »
Et oui, c'est comme ça que ça se passe. Alors, moi, j'ai été élu en 95, j'ai été élu maire, et quelques temps après mon élection, je suis allé rencontrer les services de l'État, puis leur demander un petit peu ce qu'ils pensaient de ma commune, comment ils la voyaient et tout. Et là, on m'a dit, « Oh, monsieur le maire, vous êtes à la tête d'une commune en friche. » Ah bon, moi, j'ai dit, après tout, c'est rassurant, parce qu'au moins, il y a des choses à faire. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé, parce que, bon, il n'y avait pas d'entretien, c'était vraiment une commune en friche. Il y avait beaucoup de maisons qui ne se vendaient pas, et on était à peine connus. Une des premières choses que j'ai fait, ça a été de créer un petit slogan. Hein. Aujourd'hui, dans notre commune, tous les panneaux de rue portent la petite notion « le charme naturel », parce que c'est un petit village du Pays d'Auge auquel j'ai voulu réactiver un petit peu son âme, mais son âme du Pays d'Auge. Hein, quand vous venez, dans le triangle qui se trouve entre Pont-l'Évêque, Trouville-Deauville-Honfleur. Hein, donc c'est un endroit magnifique. Hein, ça, vous ne me ferez pas dire le contraire. Et donc, eh bien, on a œuvré pendant un certain nombre d'années. On n'avait pas de mairie. J'ai construit une mairie, une salle. On a entretenu nos chemins. On a fait notre PLU, plein de choses comme ça. Et le dernier gros morceau qu'on a fait, c'était d'installer l'assainissement collectif. Et je suis la plus petite commune sur la communauté de communes hein, qui a l'assainissement collectif. Alors, quand je rencontre des collègues qui me disent oh, « bah, écoutez, nous, on a fait une commune nouvelle parce qu'on ne s'en sort plus au niveau argent. » Alors, je laisse parler, je laisse exprimer, puis je dis « Écoutez, non, monsieur, je ne suis pas d'accord. » C'est pas parce qu'on est petit qu'on ne peut rien faire. Simplement, peut-être que vous avez des idées qui sont démesurées, qui ne correspondent pas aux envies ou aux besoins de vos électeurs. Mais si notre mission même est de rendre heureux nos habitants, et c'est à nous de le faire, dans le mieux possible. Alors voilà, donc l'évolution de notre commune. Et aujourd'hui, eh bien, je suis très satisfait parce qu'il y a des habitants de grande qualité qui viennent chez nous. On a, pour ne pas le nommer, Ségala qui vient d'acheter un manoir dans notre commune. Et oui, non mais bon, on a le petit-fils de Jean Gabin aussi qui vient d'acheter un presbytère. Vous voyez comme quoi aujourd'hui, ben, on est reconnu. Ça a mis 23 ans, mais le résultat est là. Et puis... Et comme j'attache beaucoup d'importance aussi à la qualité et à l'entretien de la commune, eh bien, la semaine dernière, ça fait 3 ans que je fais ce concours des villages fleuris du département, de moins de 1000 habitants, et j'ai obtenu le premier prix. Voilà un petit peu pour démarrer un petit peu ce débat. Et puis, bon, je vais m'arrêter là, je vais laisser un petit peu la parole à mon collègue. Merci beaucoup, Gérard. Ce témoignage d'une commune, voilà, comme il y en a 36 000 en France, qui sont des communes héritées souvent de paroisses d'Ancien Régime. La ville de Vieux-Bourg, on en parlait juste avant de démarrer, qui est le nom du village d'une centaine d'habitants dont Gérard Poulain assure la destinée en tant que premier magistrat. Ce sont les vétéroburgiens et les vétéroburgiennes, les habitants du Vieux-Bourg, et non pas les hamburgers. Mais ça sera peut-être un jour, les hamburgers, si on continue à laisser la construction européenne financer. Ça veut dire le vieux château, hein, c'est ça. Voilà, donc c'est ça, ça remonte au Moyen-Âge. Oui, ça vient de Vetus Burgus. Voilà. Donc c'est très important de voir à quel point l'histoire... Vous savez que la France est l'un des pays au monde, peut-être le pays au monde, où il y a le rapport entre le nombre de personnes qui y sont enterrées et le nombre de vivants est le plus important au monde. C'est-à-dire que nous sommes un des pays où il y a tellement de générations qui se sont succédées depuis l'homme de Cro-Magnon que c'est très impressionnant. Il y a beaucoup de pays, par exemple, rien à voir avec les États-Unis, où il y a des habitants en nombre depuis, on peut dire, le XVIIIe siècle. Donc nous avons un très vieux pays qui remonte à l'époque romaine, même avant. Et donc voilà, ce à quoi on s'attaque en ce moment, c'est justement à toutes ces traces mnésiques de notre histoire. Notre commune, c'est un ancien fief. Ça s'appelle le fief des Desberthaux. Et tout à côté, il y a deux communes qui s'appellent Saint-André et Saint-Benoît-Desberthaux. C'est une commune qui a été créée en 1200. Et on a une petite église qui est de 1300. Alors, voilà. C'est la beauté de ce patrimoine.
Quand vous voyez le caractère idéologique de la construction européenne, puisque tout ceci, c'est bien la fusion des communes, j'en ai déjà parlé, on aura l'occasion d'en reparler certainement tout à l'heure. Tout ceci est imposé, ces fusions de communes, pour avoir la même granulométrie administrative, comme je le dis, que les certains nombres de pays voisins ou que les États-Unis d'Amérique, avec des comtés qui remplaceraient nos petites communes. Donc tout ceci, c'est une idéologie. Et le fait qu'on fusionne des communes en leur donnant un nouveau nom... Moi, j'ai vu des communes nouvelles avec des noms absolument ahurissants. Enfin, c'était, on avait l'impression de nombre de paquets de lessive. Un truc, c'est vrai, un truc très marketing. Moi, ça me fait penser, vous savez, à... Je suis désolé de faire cette comparaison, mais à la construction du socialisme, où vous aviez Stalingrad, où vous aviez Gorky. On rebaptisait les noms des communes avec une... Avec un total oubli de l'histoire. Voilà. Donc par exemple, on va faire des métropoles. Il y aura peut-être la métropole lyonnaise. On va peut-être appeler ça Colomville. On aura Macronville, etc. Et puis mais oui, c'est fou, hein, mais c'est comme ça. Donc on voit bien que là, il y a quelque chose qui ne va plus du tout dans le royaume de France, hein, comme on disait. Voilà. Frédéric Robert, lui, c'est une commune de Monnetier-Almont qui est un peu plus grande, donc 320 habitants. Et donc, Frédéric, dites-nous un petit peu vos faits et gestes. Et je crois que vous êtes vous ruez dans les brancards pas mal, hein, dans votre canton. Merci, Président. Merci à vous tous d'être là. Oui, je rue dans les brancards. Je voudrais surtout dire, et c'est important de le dire, je vais bien. C'est important. Gérard faisait allusion au fait qu'il y avait des maires qui démissionnaient, qui disaient que la charge était trop lourde. Dans ma courte vie d'élu, qui a maintenant 4 ans, j'ai fait face à deux tentatives de suicide de maires dans mon canton. Enfin, que je sache. Après, c'est des choses qui restent relativement privées, donc il y en a peut-être eu plus, mais en tout cas, il n'y en a pas eu moins. Les maires... alors Gérard dit que oui, les jeunes élus sont peut-être plus sujets à abandonner en cours. Moi, les deux tentatives de suicide de collègues sont des gens expérimentés, hein, donc bon, et déjà d'un certain âge. Voilà. La situation paraît quand même un petit peu grave et désespérée. Dans toutes les réunions qu'on a avec nos différents consoeurs et confrères, on sent une atmosphère lourde. Lourde, limite malsaine. Il y a un profond abattement chez tous les collègues que je côtoie. C'est pour ça que je pense important de vous dire que je vais bien. Parce que si je vais bien, ça veut dire que je me sens bien. Et si je me sens bien, ça veut dire que les choses dans ma commune se passent bien. Parce que Gérard pourrait vous le confirmer aussi, François Asselineau pourrait vous le dire aussi, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans notre engagement politique, ça se répercute directement sur le moral, et après, ça va très très vite de vous affaiblir. Eh bien là, ça va bien. Et je me souviens, quand j'étais intervenu aux 10 ans, ça allait bien aussi. J'étais un petit peu remonté. C'est vrai que je suis souvent remonté. Je rue dans les brancards parce qu'il y a un parler, on va dire, politique, où on dit les choses par périphrase, où on parle en souriant, de manière à faire passer la pilule plus facilement. Et puis, il y a une façon de parler qui est plus directe, qui est plus humaine, où on fait partie. On peut peut-être aujourd'hui en profiter, puisqu'on est presque entre nous, de faire part d'un ressenti humain plus direct et puis d'expliquer un peu la prise qu'a cette aventure politique de gestion d'une commune sur la vie d'un individu, puisque c'est aussi important pour vous, mais c'est Gérard qui vous en parlera un petit peu plus tard dans l'exposé que nous faisons. C'est important aussi de penser que vous n'êtes pas seulement des spectateurs passifs et que vous êtes avant tout des citoyens et que tout citoyen a le devoir de se poser la question puis-je représenter mon courant de pensée au sein d'un conseil municipal ? Est-ce que je suis... éligible à être élu? C'est une question que vous pouvez vous poser, puisque les élections municipales arrivent dans un an et demi maintenant. Bon, j'ai dit que j'allais bien, c'est bien. J'ai dit qu'il y avait des maires... Enfin, Gérard a dit qu'il y avait des maires qui démissionnaient.
Il y a 1121 maires qui ont démissionné de leur mandat depuis le début de ce mandat, 2014. Oui, ça fait bip bip. Un peu plus près, on ne m'entend pas ? Si ? Là, ça va ? Ok, merci. 1121 sur 35 485 communes, ça fait 3%. Le gouvernement Macron, 7 ministres sur 20 places, ça fait 30%. Les maires, c'est sur 4 ans. Le gouvernement Macron, c'est sur 1. On peut donc dire que... Vous faites le calcul, François. Enfin, les maires sont quand même beaucoup plus résistants que les ministres. Alors, ça se passe bien dans la commune de Gérard, dans la mienne. Je me demande toujours, je me pose la question à chaque fois que je me retrouve à côté de François Asselineau et quand je l'écoute parler. Hier, j'étais présent aux conférences. C'est quand même d'un niveau assez élevé. Et je me dis toujours, mais quelle est ma place ? Quelle est ma place ici ? Qu'est-ce que je fais ? Et en fait, pourquoi je suis François Asselineau ? Et tout à l'heure, pendant qu'il parlait, je souriais parce que à chaque fois, ça me fait la même chose, parce que quand il parle, après, je sais pourquoi je suis là. On a la... Et vous l'avez peut-être certainement tous, cette filiation, alors spirituelle, ce serait peut-être un peu fort, mais technique, ça lui ferait peut-être plus plaisir, je ne sais pas. Mais on a tous, et en tout cas dans ma commune, je m'aperçois que j'ai un fonctionnement similaire à la gestion que le président a de l'Union populaire républicaine. Il disait que c'était son bébé. C'est vrai que personnellement aussi, je suis très investi dans ma commune. Et en tout cas, j'essaie d'aller vraiment au fond des choses. J'ai jusqu'au bout de la mission qui m'a été confiée. Je sais que les gens me font confiance. Et je fais tout ce que je peux pour me donner à fond, hein, tout simplement, qu'il y ait plus de, voilà, que j'incarne vraiment la fonction. Et puis, il gère tout ça très près. Il est très près de ses sous. Je suis très, très près de mes sous aussi, comme quoi, finalement, ce n'est pas forcément la peine de faire l'École nationale d'administration pour être près de ses sous. Ouais, je sais, mais... Ça n'est pas forcément à l'ENA qu'on apprend à être près de ses sous. Hein, je pense que d'abord, c'est un problème génétique. Voilà. Il y a des gens qui naissent naturellement économes et d'autres qui naissent naturellement dispendieux. Mais je dirais que c'est plutôt peut-être le passage à l'inspection générale des finances et puis à HEC. Mais je crois que c'est fondamentalement un problème de personnalité. Il y a des gens qui gèrent bien tout autour de vous. Tout le monde sait très bien qu'il y a des pères de gestion, de bons pères de famille, comme on disait dans le droit, qu'on dit encore d'ailleurs, je crois. Il y a des gens qui gèrent bien leur budget, puis d'autres qui le gèrent mal. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études extraordinaires. Et pour ça, voilà, c'est simplement, mais aussi beaucoup de bon sens. Et actuellement, comme je rappelais ce que j'ai dit hier, le problème, c'est que le bon sens a déserté les allées du pouvoir dans tous les grands partis politiques. Voilà. Ici, on a deux hommes de bon sens. Et vous êtes de bon sens, puisque vous êtes ici. Voilà. Trois. Alors, c'est vrai, être près de ses sous, enfin, c'est surtout savoir que ce ne sont pas nos sous, en fait. C'est l'argent des gens. Et c'est pour ça... voilà. C'est pour ça qu'on y fait tellement attention. Et puis, j'ai personnellement très, très peu envie de recourir à l'emprunt bancaire. Du coup, tout ce qu'on fait depuis 4 ans a nécessité 0 euro d'emprunt. Et on... Et donc, on a un petit peu d'avance en trésorerie, ce qui fait que, par exemple, là, on vient de refaire, on vient de faire pour 48 000 euros de dépenses. On a refait des travaux de voirie. Et sur les 48 000 euros de dépenses, on a 19 000 qui ont été subventionnés par le conseil départemental. Et le reste, on a pu l'avancer, on va parler communément cash, on peut dire. On l'a mis sur la table. Donc, je suis content. Je reviens sur le... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit en me disant « C'est magnifique, cette gestion formidable. Vous êtes arrivé dans un village endetté et puis maintenant, tout va bien. Il n'y a plus de dettes. Il n'y a plus... » Non, attention. On peut faire des excédents budgétaires
en continuant à être endetté. Mais on peut être endetté en payant les traites des crédits mensuels et annuels tout en faisant un excédent budgétaire. Il eût été inquiétant de ne pas pouvoir rembourser les crédits et de ne pas faire d'excédent budgétaire. Bon, je donne un petit peu d'air, un petit peu de vert à l'avenir de la commune. Donc je suis content. Au-delà de la description de l'ambiance communale, et d'ailleurs elle est bonne, on va ouvrir dans 7 jours une maison d'assistante maternelle, le bar-restaurant vous salue, Christine et Arnaud vous saluent, les habitants vous saluent, on attend même François Asselineau qui va venir manger au bar-resto le 10 novembre, avant de donner une conférence sur les origines cachées de la construction européenne dans la petite ville, dans le petit village du Pouet, à côté de chez nous. Donc on est très très content de le revoir sur nos terres. Oui, je serai, c'est pour ceux qui... N'oubliez jamais, je fais une petite incidence, d'aller voir toujours le programme sur notre agenda qui est sur le site. On annonce aussi ça sur les réseaux sociaux, mais voyez tout ça régulièrement, parce que là, je vais reprendre mon bâton de pèlerin. Je suis allé en Calédonie ou au Japon, mais maintenant, je reviens en France. Et je vais, tout au long des mois qui viennent, circuler énormément en France. Donc si vous avez des projets de conférences, si vous souhaitez me voir venir m'installer chez vous, prendre mes aises dans votre salle de bain, eh bien vous contactez Yavar, qu'on a présenté tout à l'heure, qui est encore, on doit être au bar ou je ne sais pas où, et qui gère mon agenda et notamment les conférences. Et effectivement, Frédéric a raison. Alors le 3 novembre, je suis à Châteauroux, donc pas très 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 loin d'ici. Et donc le 9 et le 10 novembre, je suis en région PACA. Et il y a j'en parlais, le 9 décembre, je ferai une conférence spéciale qui s'appellera « Que reste-t-il du gaullisme ?» que je ferai dans la salle municipale de Colombelles-les-Deux-Églises. Alors après avoir parlé de la commune, je donne juste un point de précision sur ce qu'on appelle les subventions, la dotation globale de fonctionnement. Et bien figurez-vous que le gouvernement s'est enorgueilli pour la première année depuis longtemps de dire que cette année les dotations aux communes avaient augmenté. Alors c'est vrai. Merde, comment on fait ? Ça a augmenté. Alors je vous explique. En fait, ils ont dit cette année ça a augmenté. Oui, je viens de le dire. Mais ça a augmenté, c'est pas un bon, comment on appelle ça, c'est pas une bonne étude un an pour savoir ce que deviennent les dotations des communes. Nous, sur 10 ans, on est passé de 32 000 à zéro. C'est une forte augmentation. Et voilà. Donc ça, c'est en 10 ans. Mais en fait, cette année, on a eu 400 euros en plus. Ah. Et oui, ils sont forts. Mais c'est mathématique, monsieur le maire. Alors je téléphone à la préfecture et je dis, mais attendez, mais vous foutez de... Vous fichez. Voilà, pardon, excusez-moi. Non. Oui, en fait, c'est un peu tiré par les cheveux, monsieur. C'est un peu tiré par les cheveux parce que vous me dites que ça a augmenté, mais en fait, j'ai gagné que 400 euros. Et le fonctionnaire m'a dit, oui, vous avez augmenté. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Bon, je dis d'accord, alors écoutez, alors monsieur X, ce qu'on fait, c'est que moi, votre salaire de 2000 euros, je vais le passer à 40 euros, et puis l'année d'après, je le passerai à 45 euros. Et puis quand, voilà, ça aura augmenté aussi. Alors là, il a éclaté de rire. Le problème, c'est que nous, ça ne nous fait pas rire, quoi. Le problème est qu'on n'a plus du tout de dotation de l'État. Alors même s'il y a eu une petite revalorisation de la dotation de solidarité rurale de 400 euros cette année, qui permet au gouvernement de faire des statistiques en disant que les dotations communes ont augmenté, je trouve pas ça très honnête, quoi. Vraiment. Enfin, je sais pas. Gérard, ça t'est arrivé aussi. Et puis... Je voudrais parler, je vous disais qu'il y a quelque chose de malsain qui est en train de s'insinuer, peut-être pour faire une liaison avec ce dont François voulait qu'on parle. C'est que j'ai l'impression maintenant qu'il y a une concurrence ou une mise en concurrence, en compétition des différentes collectivités territoriales. Je m'explique. Vous êtes peut-être impacté par ce phénomène. La pression fiscale
à travers la taxe foncière cette année, en tout cas sur notre département, est devenue insoutenable. Insoutenable pour beaucoup de ménages. Vous savez qu'il y a plusieurs parts dans l'imposition foncière, une part communale, une part départementale et une part intercommunale. La part départementale a augmenté de 25% cette année. Et il a été voté en communauté de communes. Je n'ai pas voté pour ce passage-là, mais au passage de la taxe sur les ordures ménagères, qui était une redevance avant, et maintenant les ordures ménagères sont indexées sur la valeur locative des biens. C'est-à-dire que si vous êtes un retraité avec un revenu très faible et que vous avez une grande maison, ben vous mettez à payer 500 euros d'ordures ménagères. Donc ça a fait mal à tout le monde. J'ai eu beaucoup de remontées en ce sens du territoire et des territoires adjacents, disons que ça devenait insupportable. Et souvenez-vous, récemment dans l'actualité, quelqu'un avait fait remarquer, je crois que c'est le président André Léniel de l'Association des maires de France, le vice-président, qui avait fait remarquer que l'État se permettait d'ajouter une ligne sur la feuille de la taxe d'habitation, ou la feuille de foncier, je crois, en disant « si vous payez plus cette année, c'est à cause de telle collectivité qui a augmenté son taux ». Alors c'était honteux pour nous, les maires, de voir l'État nous mettre en défaut, parce que ce que l'État oublie de dire, c'est que c'est justement parce qu'il y a moins de subventions des collectivités territoriales par l'État que les collectivités territoriales sont obligées d'augmenter leur taux. Mais ce qu'il y a de plus malsain, c'est qu'il est arrivé la même chose, là je parle de mon intercommunalité, mais dans l'intercommunalité dans laquelle je suis membre, c'est-à-dire que pour expliquer la création de cette taxe sur les ordures ménagères et la création d'une taxe GEMAPI, la communication de la présidence de l'Interco s'est crue obligée de distribuer une feuille type d'imposition en entourant en rouge la part communale, en rouge la part départementale et en vert la part intercommunale, en disant, je ne vous mens pas, hein, c'est exactement ça, regarde François, en disant, tu vois, en rouge la commune, en rouge le département et en vert l'intercommunalité, en disant la part des trois impôts intercommunaux est la plus faible de votre feuille par rapport aux parts communales et départementales. Donc en fait, non, c'est quand même des gens qui sont maires de communes, qui sont aussi vice-présidents et présidents de l'intercommunalité. C'est-à-dire qu'on envoie aux gens un message en disant « Vous vous plaignez de payer trop d'impôts, mais regardez, c'est pas l'intercommunalité qu'il faut blâmer, c'est la plus faible part, c'est la commune et le département. Mais on va où, là ?» C'est grave. Enfin, moi, je trouve ça vraiment grave. Je trouve ça vraiment grave, surtout que c'est malhonnête, puisque ces impôts sont des impôts nouvellement créés. C'est-à-dire qu'ils viennent s'additionner aux parts communales et intercommunales. Donc c'est ceux qui arrivent en dernier qui remettent en question l'existence de structures qui ont 200 ans d'existence. Et je crois que ça participe d'une peine qu'a l'intercommunalité à trouver sa justification d'exister, en tout cas pour l'instant. Dans la mesure où on lui a transféré des compétences régaliennes qui appartenaient aux communes, la gestion des ordures ménagères et d'autres compétences, alors c'est vrai qu'ils n'apportent pas une grande plus-value aux habitants qui ne voient pas vraiment quel est le service rendu à la population nouvellement par la création de l'intercommunalité. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure que l'on va continuer à appliquer la loi NOTRe, à transférer les compétences qui étaient dévolues aux communes vers l'intercommunalité, petit à petit, nous allons vider de leur sens et de leur fonction première les communes et les transférer à l'intercommunalité. Mais d'ici, par exemple, 2 ans, quand la compétence PLU va être transférée à l'intercommunalité, puis quand l'eau va ou devrait être transférée pour les agglos en 2020 et pour les communautés de communes en 2026, dernier recours, Gérard vous en parlera tout à l'heure, quand il n'y aura plus rien dans la commune et quand l'intercommunalité se remettra à faire cette publicité en disant « Regardez qui vous coûte le plus cher »,
les gens vont se retourner vers le maire et vont dire, mais effectivement, la commune nous coûte cher. Pourquoi est-ce qu'il faudrait continuer à payer des impôts communaux alors que ceux de l'intercommunalité sont quasiment aussi élevés, voire peut-être un peu moins? Pourquoi continuer à avoir des communes? Moi, je pense que la vraie remise en question des communes, si elle doit avoir lieu, aura lieu par ce biais-là que, par exemple, en 71, la loi Marcellin faisait qu'on proposait de faire des communes déléguées, puis ensuite, la loi Nôtre s'est mise à... Enfin, la loi Voynet s'est mise à faire des communes nouvelles. Comment est-ce qu'ils peuvent... Parce que François dit que la fusion des communes se fait au forceps. Gérard dit aussi que ça se fait dans le dos des habitants. Oui, c'est vrai que quand ça se fait comme ça. Mais si les communes, si les maires résistent et continuent à résister à ne pas vouloir fusionner, parce que finalement, la proportion des communes qui fusionnent est très très faible par rapport à la quantité de communes qu'il y a en France. Et donc, ça ne va pas assez vite pour l'application de cette loi Nôtre. Hein, ça ne va pas assez vite. Alors, comment ils font? Ben, ils arrêtent de vous nourrir, donc ils arrêtent de vous donner de l'argent dans un premier temps, et puis si ça ne va pas assez, ils coupent les subventions au département. Le département est obligé d'augmenter ses prélèvements dans la part départementale de la taxe foncière. La pression fiscale augmente, donc si ce n'est pas du propre élan de rationalité des maires de vouloir fusionner, c'est la population bientôt qui va leur faire comprendre qu'il faut qu'ils s'en aillent. Et oui. Et le risque est que ce soit les populations elles-mêmes qui demandent la disparition des départements, la disparition des communes. Et le danger, il me semble qu'il est là. Je voudrais vous parler aussi de ce déficit aigu qui devient chronique en service public. C'est assez complexe, hein. Franchement, et je suis content d'être maire pour... Enfin, j'ai vraiment la chance d'être maire de ce village, et ça me donne la possibilité de comprendre énormément de choses. Et j'envie d'ailleurs ceux qui en comprennent encore plus. Le service public, il est en train d'être démantelé, c'est une réalité. Vous avez des hauts fonctionnaires qui se déplacent sur le territoire, hein. Par exemple, là, l'exemple que je vais prendre, c'est la DGFiP, les finances publiques. Vous avez des chefs, hein, ce qu'on appelle un directeur départemental de la DGFiP, qui se déplace, qui fait sa carrière donc de secteur en secteur, comme beaucoup de fonctionnaires font. Et tous les deux ans, tous les trois ans, ils changent de place. Et alors des fois, ils changent de place parce qu'on leur dit de changer de place comme ça. Des fois, ils ont des choses à faire. Bon, ils ont des missions, vous voyez, c'est un métier, quoi. Et ce qui se passe, c'est qu'en 2018, le programme national de réforme, 2017 ou 2018, il y a des choses qui changent un peu, puisque maintenant, ils sont définis par un nom de code qui s'appelle des managers, ça s'appelle managers publics. Donc, ils sont identifiés comme étant des managers publics. C'est marqué texto, hein, page 106 ou 109, je ne sais plus. Et ce programme national de réforme les désigne comme étant habilités à conduire eux-mêmes la réforme de l'administration, la suppression des agences et la suppression du personnel afférent. C'est-à-dire que ce sont des véritables RH, en fait, hein, qui se déplacent dans la fonction publique et qui sont là pour faire des coupes sombres dans la masse de fonctionnaires. Alors le problème, c'est que eux-mêmes se cachent derrière la décision du ministre. Donc là, par exemple, ils ont voulu fermer une trésorerie sur notre territoire, une trésorerie qui rend quand même des services pour les personnes qui ont besoin de renseignements pour se faire aider, pour remplir les impôts et tout. Et sous prétexte, un prétexte qui est bien fondé, on va dire quand même, qui est celui de la dématérialisation. Vous savez que de plus en plus de tâches sont automatisées, les gens sont remplacés par des ordinateurs, par la facilité de faire les déclarations sur Internet et tout. Donc au bout d'un moment, ils doivent penser qu'il y a du personnel en trop et des sites en trop.
Et donc, ils ont voulu fermer la trésorerie. Alors, le directeur de la DDFIP a dit « Ah oui, mais alors moi, ce n'est pas moi qui prends la décision en dernier recours, c'est le ministre. Moi, je ne fais que faire ce qu'on me demande et signaler quel point a plus ou moins d'intérêt. » Donc, en fait, il a identifié un site et ensuite, il va voir le ministre et le ministre donne l'aval. Seulement, dans le PNR, il n'y a pas marqué ça. Il y a marqué que c'est eux qui gèrent eux-mêmes la fermeture des sites. Et voilà, il n'y a pas besoin que ce soit... Enfin, si, il faut que ce soit entérimé par le ministre. Mais je veux dire, la décision, c'est eux qui la prennent. Et ils ont toute liberté de la prendre. Et quand je lui ai lu ça en réunion devant tous les autres maires qui étaient rassemblés et que j'ai dit, mais je ne comprends pas parce que dans le programme national de réforme, ce n'est pas ce qui a marqué. Ben là, il était bien embêté. Et je voudrais... simplement que, enfin, envoyer un message général. Je sais que les fonctionnaires font leur travail et qu'on serait bien content si on était au pouvoir aussi qu'ils fassent ce qu'on leur dit de faire. Je sens quand même ces derniers temps qu'ils le font. C'est aux fonctionnaires qui bougent sur le territoire. Ils font ce qu'on leur demande de faire. Après, il y a le personnel qui réside dans le territoire, les fonctionnaires qui habitent dans le territoire, qui sont originaires du territoire et qui sont obligés de faire ce que celui qui n'est pas du territoire vient et dit qu'il faut faire. Mais ils savent très bien que c'est contre l'intérêt de leur territoire. Et les syndicats de ces fonctionnaires-là sont vent debout contre ce qui est en train de se passer. Et il ne faudrait pas qu'il y ait une dichotomie entre ce que vous vivez, vous, à titre individuel, et ce que vivent ces fonctionnaires aussi, qui sont un des maillons essentiels des rouages de notre pays. J'aimerais attirer votre attention sur la nécessaire union et la bonne compréhension de l'entente entre ce que c'est qu'un fonctionnaire territorial, un élu... et puis derrière, le citoyen. Et c'est ce triumvirat qui gagne à tous les coups. Et c'est François, vous voyez, c'est vous, les citoyens, c'est nous, les élus, que vous avez élus, qui sont là pour vous défendre, et c'est quelqu'un dont c'est le métier de gérer la technique de manière à porter l'impulsion de la volonté politique du citoyen à travers l'élu. Et c'est ça le trio gagnant. C'est ça le trio gagnant de la République. Je veux simplement... Je ne prendrai pas plus de temps après. Bon, voilà, je vous laisse la parole. Je voudrais simplement dire que François sait certainement quand je parle de la voie descendante. Tu sais la voie descendante dans les services. Ça fait une cascade. L'ordre part d'en haut et arrive jusqu'en bas. Et la voie descendante, elle est crainte. Tout le monde tremble devant la voie descendante. Le problème, c'est qu'il n'y a plus qu'une voie descendante. C'est la voie descendante pour tout le monde. C'est la voie descendante, évidemment, pour les citoyens. C'est la voie descendante pour les élus. C'est la voie descendante pour les fonctionnaires. C'est la voie descendante pour les hauts fonctionnaires. Mais ce n'est pas une république, ça. Ce n'est pas une république, la voie descendante. La force de la République, justement, c'est la voie ascendante. C'est exactement l'inverse. La voie républicaine, c'est la voie qui fait que l'élu... La voie républicaine, c'est ce qui fait que l'élu porte la volonté de la population qui l'élit et que le technocrate ou le technicien est là pour faire en sorte que techniquement ce soit appliqué. Ce n'est plus ce qui est en train de se passer. Et je vous dis, les gens commencent à en avoir marre. S'il faut leur expliquer ce qui est en train de se passer, on peut leur expliquer. Alors, moi je vous donne l'exemple, parce que c'est ce que je vis, ne focalisez pas forcément sur cet exemple, mais... Ce directeur des finances publiques, il me dit, oui, mais enfin, quand vous serez élu, vous serez content que nous, on applique aussi, on fait juste ce qu'on dit d'appliquer. Et puisqu'on applique, je vous rappelle quand même, monsieur le maire, qu'on est dans une démocratie et que ce qu'on me demande de faire, c'est parce que vous avez voté pour des représentants politiques qui nous disent de faire ce que vous vouliez faire. Mais c'est là où ça ne marche pas. C'est là où ça ne marche pas. Parce que tout ce qui est en train de nous retomber dessus, ce n'est pas ce qu'on veut. C'est pas... Vous discutez maintenant, vous voyez bien, les députés, plus personne ne sait qui sont les députés, les maires, oui, parce qu'ils sont élus directement, les députés, on ne sait plus qui c'est, les ministres, ça arrive, ça vient de la société civile, on ne sait plus, parce qu'en fait, on s'en fout, ces gens-là sont interchangeables, ils ne sont plus là, à l'heure actuelle, pour porter la volonté du peuple, et le problème grave qui existe, c'est ça, et c'est tout le problème de ce qu'explique depuis plus d'une décennie François Asselineau, c'est qu'en fait, tout maintenant vient d'en haut. Tout vient d'en haut, il n'y a plus
aucune remontée d'informations. Et devant cette absence de fonctionnement de la voie ascendante, moi, je sens quand même, je sens qu'il y a plus qu'une grogne qui est en train de s'installer. Et l'avantage de l'UPR, c'est de bien nous faire focaliser sur l'origine du non-fonctionnement de cette voie ascendante et de continuer, et je trouve que c'est courageux, et ça sera de plus en plus courageux, à continuer à vouloir lui donner une dimension politique de bataille pour qu'on puisse récupérer notre démocratie. Et c'est vrai, plus ça va, plus je me rends compte que François Sineau est le seul. Vous savez, c'est quand même fort ce qu'il dit, parce que pour quelqu'un qui n'a pas compris tout ça, c'est un peu fort quand François il dit « c'est une dictature qui ne dit pas son nom ». Oh, une dictature qui ne dit pas son nom. Ben ouais. C'est ça. C'est le truc, c'est que, en fait, François Asselineau, c'est justement parce qu'il a, cette intelligence, et puis il a fait des études pour ça, et puis s'il n'était pas si intelligent, il n'aurait pas pu faire ses études là non plus, donc on peut rendre grâce à la génétique, oui, si vous voulez. Faut pas aller trop loin, là, attention, pas trop de génétique non plus, mais il dit toujours les choses en avance sur personnellement la compréhension que je fais par la suite. Parce que les premières fois où j'ai entendu dire c'est une dictature qui ne dit pas son nom, j'ai dit, oh putain, dis donc, où est-ce que ça nous emmène tout ça? Mais en fait, ça nous emmène nulle part, on y est déjà. Et le problème est là, c'est que l'UPR, hier, il y avait Emmanuel Todd qui cherchait, il disait, je me demande toujours qui sont les gens de l'UPR. Les gens de l'UPR, c'est des gens qui ne sont pas fermés à comprendre ce qui se passe. C'est des gens qui ne sont pas fermés à échanger avec leurs prochains sur ce qui se passe et qui ont une sacrée longueur d'avance dans la compréhension réelle, sortie de toute la publicité et du gavage médiatique qui est fait sur le temps qui fait aujourd'hui, le prix de l'essence, le ci, le ça. C'est des gens qui ont envie de comprendre et qui ont envie de creuser, qui ont envie de comprendre le pourquoi. Et c'est vrai que ça peut être ravageur pour le quidam qui se met à comprendre le pourquoi. Et il se met à accepter, du coup, que le président d'un mouvement politique dise que nous sommes dans une dictature qui ne dit pas son nom. Mais je vous assure, je ne vais pas être plus long. Je vous assure vraiment que de plus en plus de gens sont en train de le comprendre. Moi, je vois autour de moi, députés, sénateurs, vous ne leur répétez pas, ils sont super sympas. Ils ne sont pas toujours du même bord politique que moi. Puis non, ils n'en sont pas, en fait. Mais ils sont gentils, ils sont avenants, ils font ce qu'ils peuvent. Putain, mais ça suffit pas, quoi. Enfin, pardon, excusez-moi. Ça ne suffit pas. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, ils ne servent plus qu'à... Alors, vous savez comment ça marche? Le technicien ou l'assistant parlementaire rédige un texte ou une proposition de loi qui, elle-même, est induite par ce qu'un autre technicien lui apporte, qui lui-même rapporte ce qu'un technicien, etc., jusqu'à la Commission européenne, en fait, la direction de... j'ai oublié, qui est sous le Premier ministre, là, des affaires européennes, des affaires européennes. Le GCI ? Non. Non, j'ai oublié, mais ça me reviendra. Non, pas l'oiseau, non. Le SGE, le secrétariat général de l'action européenne. Le SGE. SGE. Ouais, SGE. Bon, bref. Donc, c'est traduit en transversal, le PNR, en droit interne, ça va au ministère, ça redescend. Et en fait, c'est ces directives-là qui aboutissent à des propositions de loi ou à des amendements du CEDA ou de l'Assemblée nationale. Mais c'est nul. Enfin, ça ressemble plus du tout... Enfin, c'est même pas nul, c'est dangereux. C'est plus du tout ce pour quoi on est fait. Parce que moi, en tant que citoyen, comment je la rêve, ma France? Mais je la rêve que n'importe qui dans le village va venir me faire une suggestion sur ce qu'on devrait faire. Et puis après, en concertation avec les autres membres du conseil municipal, on va essayer de trouver un moyen de le faire. Et puis on va utiliser le fonctionnaire, par exemple la secrétaire de la mairie, pour monter un dossier. Et puis après, on va s'appuyer sur le département. Et puis après, ça remonte. On
regarde avec la préfecture, on demande des sous à la préfecture et tout, et puis on fait notre projet, et comme ça, tout le monde est content. Mais ça, ça marche encore un tout petit peu comme ça pour les projets à la marge, mais ça marche plus sur l'organisation de la société et sur la volonté qu'on a tous de construire un monde qui nous entoure à l'image de nos aspirations ou à l'image de... Alors, je dirais que cette voie ascendante, vous voyez, vous en avez la manifestation aussi. Allez, dans une semaine et demie, avec Gérard, on va faire les commémorations du centenaire de l'armistice. Et alors, on se retrouve devant le monument aux morts, et puis on lit un texte disant que, oh, quand même, cette folie meurtrière, c'est fou, hein, vous avez vu, regardez tous les gens qui sont morts là. En gros, on dit à la population, vous avez vu ce que c'est de penser la guerre ou de ne pas penser la construction européenne ? C'est la mort. C'est-à-dire qu'ils sont morts parce qu'ils n'ont pas construit l'Europe. Ils sont morts parce qu'ils n'ont pas rêvé de paix plus tôt. Bon, pour qui connaît un peu l'histoire et les raisons réelles de la Première Guerre mondiale, c'est un petit peu différent. Mais en tout cas, dans l'imaginaire populaire, c'est ça. Et en fait, je me trouve... je réfléchis avec vous au discours que je vais faire pour le 11 novembre. Parce qu'il y a quelque chose qui me choque profondément, c'est d'avoir l'impression qu'il y a deux fatalités. Il y en a une qui est la guerre, l'affrontement, la cassure, et l'autre fatalité, qui semble être la seule, c'est de continuer à baisser la tête et de baisser les épaules et à supporter un poids de plus en plus important sur nos épaules de soumission. Je suis quand même là pour vous rappeler qu'il existe une troisième voie. Et cette troisième voie, je pense que nous l'empruntons tous et nous aimerions tous à nouveau la réemprunter, c'est la voie républicaine, de prise en charge de soi-même et de porter son aspiration propre par le mécanisme démocratique à l'application ensuite qui en est faite sur le territoire par ce mécanisme démocratique. C'est vers ça qu'il faut aller, il n'y a que ça qui peut nous sauver. C'est la voie ascendante, c'est la voie républicaine et c'est la voie que je suis fier d'arpenter et d'emprunter avec François Asselineau. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. À condition. Tout à fait. Oui. Vous en parlerez tout à l'heure. Merci beaucoup pour tout ce témoignage qui a un petit peu débordé par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. Je trouve que c'était important effectivement de revenir, de reposer ça dans une juste perspective, parce que ce que vient de dire Frédéric, en fait, j'y songeais pendant qu'il en parlait, c'est finalement une des raisons essentielles pour lesquelles j'ai créé notre mouvement politique, puisque ce que j'ai pu constater quand j'étais en cabinet ministériel, c'est que les différents ministres que j'ai servis, en fait... Il ne disait, mais il faut faire ça parce que j'ai été élu pour ça. C'est absolument jamais. C'est-à-dire qu'une fois, on a l'impression, en fait, que les élections sont devenues une espèce de concours télévisuel. Pour ce faire, c'est un mauvais moment à passer. On est obligé de faire des risettes, de dire n'importe quoi aux électeurs pour se faire élire. Une fois que les flonflons du deuxième tour sont achevés, on passe aux choses sérieuses. Les choses sérieuses consistent à appliquer ce qui a déjà été décidé ailleurs et par d'autres et à se conformer aux souhaits d'une petite oligarchie. Et j'en donnerai deux exemples extrêmement concrets. Lorsque vous avez un nouveau gouvernement qui arrive et des nouveaux ministres qui prennent leurs fonctions... Un nouveau ministre, il prend ses fonctions, il arrive, il y a une cérémonie de passation de pouvoir avec le prédécesseur.
qui est accompagné de Petit Four et de groupe de Champagne, les gens sont contents. Puis après, le ministre s'installe, il nomme son directeur de cabinet, il nomme les membres de son cabinet. Il s'installe dans son bureau et il trouve sur son bureau un paquet comme ça de dossiers qui lui ont été préparés par les administrations qui sont sous son contrôle, qui sont désormais sous son contrôle, et qui lui indiquent tout ce qu'il a à faire. C'est-à-dire, déjà, ça commence par l'agenda. Donc vous avez une réunion dans 3 jours au Conseil européen où on va parler de la définition des sièges de tracteurs. Vous avez ci, vous avez ci, vous avez ça. Et il y a plus les dossiers de fond. Voilà où l'on en est. Voilà les éléments de langage, comme on dit, notamment au Quai d'Orsay, mais aussi à Bercy. Voilà ce qu'il va falloir dire à vos interlocuteurs. Il y a beaucoup de sujets qui sont complexes, quand même. Il faut le reconnaître. Or, un ministre qui débarque, un nouveau ministre qui arrive, c'est pas forcément... Pic de la Mirandole, c'est pas forcément quelqu'un qui connaît tout sur tout, et il est d'un seul coup lancé comme un billet dans une espèce de billard électrique où il est comme ça, hein, et on lui dit alors voilà, il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ça. Il y a tellement une telle avalanche de documents, de dossiers, de réunions, que le ministre très rapidement perd prise et il fait ce qu'on lui dit de faire. Il a à peu près le même pouvoir. J'ai souvent pris cette métaphore d'un commandant de bord d'Air France. Ou de Japan Airlines qui a le vol Paris-Tokyo. Bon, ben, il fait Paris-Tokyo. Il ne vous emmène pas à l'île Maurice parce que c'est son truc. Hein, on lui a dit voilà la marche à suivre. Donc, ça, c'est le premier point qui est que très, très, très vite, les ministres disparaissent dans une espèce d'anonymat, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout d'impulsion. Or, le ministre, normalement, devrait avoir été nommé là pour faire valoir une politique qui aurait été choisie par la population. Et c'est pas du tout ça. Il est là pour se conformer à ce qui est attendu de lui. Un deuxième élément d'appréciation, c'est que moi, j'ai souvent vu des ministres qui voient défiler chez eux des très grands patrons qui demandent une audience. Alors comme c'est Monsieur X, Madame Y, même Monsieur Z, qui est de telle ou telle... Donc, et qui viennent et qui disent « Voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, il y a tel contrat à obtenir, il y a ci ou ça ». Et donc les ministres se mettent spontanément au service. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider quelques grands patrons, bien sûr, dans la compétition internationale. Mais on a l'impression qu'il n'y a plus que ça. Entre Bruxelles... D'une part, et puis les exigences des marchés financiers que l'on fait valoir par l'intermédiaire. Si jamais vous faites ça, il y aura les marchés financiers. On a toujours l'impression que c'est la dame au camélia qui est au bord de l'évanouissement dès que vous lâchez une flatulence. Donc, ministre, là. Alors, on a eu l'invention du mot, d'ailleurs, de populisme. Moi, lorsque les gens me parlent de populisme, j'ai dit, mais quel est... la définition que vous donnez à populisme par rapport à la définition que vous donnez à démocratie et par rapport à la définition que vous donnez à démagogie. Moi, j'aimerais bien... Vous savez ce que disait Confucius en -500 avant Jésus-Christ. Alors ça s'appelle la rectification des noms, hein, pour la pensée philosophique chinoise, pensée philosophico-politique. Donc il a un disciple qui s'appelle Tse Lou qui lui dit... C'est dans le 15e chapitre des Analectes de Confucius... Il y a le disciple qui lui dit « Mais maître, à quoi consacreriez-vous votre premier soin si vous étiez nommé pour charger, pour mener les affaires du prince de Wu ?» On est pendant la période des royaumes combattants. Donc une période de la Chine où il y a plusieurs royaumes qui se combattent. Et donc le principal disciple de Confucius lui dit « Si vous étiez nommé, en fait, chef du gouvernement du prince de Wu, à quoi consacreriez-vous votre première tâche ?» Et Confucius lui répond « à donner à chaque chose son vrai nom. » Alors, Tse-le lui dit bah, « Comment ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Vous vous perdez loin du but, vous vous égarez loin du but, maître, lui répond son disciple. » Et Confucius le rabond en lui disant « Qu'est-ce que tu es rustre ? Si on n'a pas les bons noms... » Enfin, je synthétise. « Mais si on n'a pas les bons mots, les bons noms pour désigner quelque chose, eh bien, on ne peut pas avoir de bonne politique. » Donc la première chose qu'il faudrait demander, on aura l'occasion certainement d'y revenir, c'est qu'est-ce que c'est que le populisme ? C'est un truc... On ne parlait pas de populisme il y a 30 ans. C'est un mot qui est devenu désormais partout. Et en fait, je ne comprends pas très bien la différence qu'il y a entre démocratie et populisme. Ou plus exactement, je la comprends. Populisme, c'est lorsque le peuple pense mal. C'est-à-dire lorsque vous avez des responsables politiques...
Je trouve quand même... Bon, la Lega, ça n'est pas notre tasse de thé. On a des grosses différences avec ce qui se passe en Italie, parce que c'est quand même le mouvement Lega est quand même un mouvement très à droite, avec des relents parfois vraiment xénophobes et autres. Mais lorsque Salvini a dit, il n'y a pas très longtemps, à la radio et à la télévision italienne, où il a fait un tabac énorme, lorsqu'il a dit « Écoutez, c'est très gentil, les marchés financiers », mais moi, le gouvernement italien, il a été élu là pour faire valoir les intérêts du peuple italien, pas ceux des marchés financiers. Ben, il a eu 90% des Italiens qui sont avec lui. Ben, nous, c'est la même chose. On n'est pas là pour se faire élire en vous racontant « Pensez printemps, les amis ». Et puis intérieurement, on dit « Pauvre con, votez pour moi ». Et puis après ça, je vais vous entuber. Et puis une fois que vous êtes élu, vous êtes là et vous appliquez la démarche des marchés financiers. Or, le bras séculier des marchés financiers, c'est évidemment la construction européenne, notre appartenance à un cadre dont je ne parle pas assez. D'ailleurs, il faudrait que j'en parle davantage maintenant, dans les mois qui viennent. C'est ce qu'on appelle l'OCDE. Parce que quand je suis allé au Japon, il y a la même chose. Hein. Dans tous les pays de l'OCDE, la coopération de développement économique, hein, le siège de l'OCDE étant à Paris, à la Muette, c'est cette organisation de coopération qui, en gros, regroupe les pays dits occidentaux, c'est-à-dire l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada, les pays européens... Et puis le Japon, la Corée, voilà. Eh bien, ces pays qui sont, disons, des pays capitalistes développés et qui font partie de l'OCDE, mais qui sont devenus tous dans la main des marchés financiers. Et actuellement, on est en train d'assister à un grand bouleversement historique dont, là aussi, c'est comme Salvini, c'est comme... on peut être ou ne pas être d'accord, mais quelqu'un comme Donald Trump ou comme le Brexit au Royaume-Uni témoigne du fait qu'on est en train de changer d'air... Air comme une ère historique, hein, on est en train de remettre en cause les processus de mondialisation, de globalisation, et c'est en fait la revanche des peuples qui est en train d'arriver, et nous nous inscrivons tout à fait dans ce schéma. Simplement, Président, rebondir sur ce que vous disiez, et pour parler à nouveau des communes, c'est là où je vous donne entière raison. Je ne comprends pas cette définition de populisme. Enfin, si je la rapporte à ce qu'on fait sur la commune, on est quand même là pour faire ce que le peuple demande. C'est-à-dire qu'au bout d'un mandat, si la population pense que tu n'as vraiment pas fait ton job, bah, tu n'es pas réélu. Ouais. Voilà, donc c'est bien ce que le peuple veut, ce qu'on fait. Après qu'il y ait des décisions à prendre, parce que la place que nous avons nous donne l'avantage d'avoir une vue d'ensemble, et on est aussi là, elle est représentative, cette démocratie, donc on est aussi là pour décider du bien fondé, quelque part, de ce qu'on pense être bénéfique pour la commune. Donc si on veut avoir une action... En dehors de la réflexion première qui est celle de nos concitoyens, encore faut-il user de pédagogie pour expliquer ce qu'on veut faire. Et à ce moment-là, si ça passe, eh bien, ça passe dans la population et on arrive à faire quelque chose dont on est l'initiateur, en fait. Non. Donc au bout d'un moment, je me dis quelque part que finalement, si on est arrivé à construire une espèce de gros ensemble d'Union européenne qui mécontente tout le monde, ça veut dire que ça a pu se construire parce que même si les élus ont changé, il y a quand même des choses qui sont restées derrière qui ont fait qu'il y a des gens qui ont continué à acquérir leur autonomie de gestion en dehors de tout contrôle démocratique, en fait. Je pense que le problème est là. Il ne faut pas avoir peur d'affirmer ça haut et fort, parce que effectivement, tout ce que dit Frédéric s'inscrit exactement dans la filiation de la Révolution française. Hein, je vous renvoie à ma conférence sur l'histoire de France. La filiation, c'est l'invention de la souveraineté nationale contre la souveraineté de droit divin. Le roi de France était roi. Pourquoi il était roi? Pourquoi c'était lui qui décidait? C'est ça que les gens se sont posés quand ils ont fini de dire « Mais finalement, pourquoi il est roi, lui? Pourquoi c'est lui qui décide pour tout le monde ?» Et donc la réponse d'Ancien Régime, c'était par la grâce de Dieu. C'était la souveraineté de droit divin. C'était parce que Dieu avait décidé que c'était lui le roi. Si, par exemple, Elisabeth Windsor, cette petite dame très gentille qui parle bien le français, elle est reine du Royaume-Uni et d'Irlande du Nord, c'est parce que Dieu l'a choisi. Officiellement, c'est ça. La vérité, c'est ça. C'est qu'elle tient son pouvoir
par la grâce de Dieu, sur les 7 monarchies qu'il y a au sein de l'Union européenne, il y en a, sur les 8 monarchies, ou 7 monarchies, il y en a 6 qui sont de droit divin, il n'y en a qu'une seule qui reconnaît la souveraineté nationale, c'est la Belgique, puisqu'il n'y a pas le roi de Belgique, mais un roi des Belges. Et l'invention de la Révolution française, c'est la souveraineté du peuple, ce qu'on appelle la nation. La nation, ce n'est pas une notion de droite, à l'origine, c'est une notion de gauche, c'est une notion révolutionnaire. C'est le peuple, l'origine du pouvoir n'est pas à rechercher dans Dieu, il est dans la collectivité nationale, c'est-à-dire dans le peuple. Et donc il ne faut jamais se laisser intimider par ça, parce qu'actuellement, on est revenu à une souveraineté non plus de droit divin, mais de droit des marchés financiers. Maintenant, l'origine du pouvoir, ce sont les marchés financiers, c'est une oligarchie qui a pris le pouvoir et qui prétend que ce sont les grands conglomérats industriels et financiers, par l'intermédiaire des marchés financiers, dont les bras séculiers juridiques sont les contraintes de l'OCDE, les traités européens pour ce qui concerne les pays d'Europe, et que c'est de là que vient le pouvoir. Et donc les élections sont devenues un peu des rites procéduraux, hein, comme un Sing Sing dans la vallée du Sepik en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc on est là, en fait, on s'excite pendant 2-3 mois. Puis une fois que les flonflons sont retombés, on repasse aux vraies choses, c'est-à-dire on donne le pouvoir. Rappelez-vous toujours, là aussi, il y a une conférence que j'avais faite qui mérite d'être revue, qui s'appelle « Où est passée la Constitution ? Où est passée la République ?». Nous avons une Constitution qui est notre loi suprême, qui ne souffre normalement, qui ne devrait souffrir absolument aucune ambiguïté. Pendant que Frédéric parlait, j'ai reconsulté ça sur Internet. Je rappelle que le titre premier de notre Constitution s'appelle « De la souveraineté ». Donc les gens qui disent « souverainistes » comme si on était des vieilles lunes, le titre premier, c'est « De la souveraineté ». Et l'article 2 précise « La langue de la République est le français ». Accessoirement, ça n'est pas le Corse ni le Brozonec. L'emblème national est le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge. Donc accessoirement, il n'y a pas de drapeau bleu aux étoiles d'or. Ça n'existe pas dans la Constitution. L'hymne national est la Marseillaise. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous l'avons entonné hier soir à l'issue de notre journée. La devise de la République est « Liberté, égalité, fraternité ». C'est pour ça que ça figure sur les frontons de toutes les mairies. Et la dernière phrase de l'article 2, qui va exactement à l'illustration de ce que disait Frédéric, le principe de la République, son principe est « Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ». L'article 3 précise que la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Et écoutez bien la deuxième phrase. « Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice ». C'est-à-dire que lorsque vous avez des commissaires européens et qui, en Italie mais en France aussi, qui se permettent de demander des modifications au budget, ça viole la phrase numéro 2 de l'article 3 de notre Constitution. Nous ne sommes plus en République. Et ça, je mets au défi quiconque de me prouver le contraire. J'ajoute d'ailleurs que l'article 4 prévoit... Je l'avais sorti une fois dans un débat au sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand, où j'avais discuté avec un type qui avait les cheveux teints. C'était pas Donald Trump, c'était Brice Hortefeux. Un peu le même fausse blonde. Je lui avais fait remarquer que l'article 4 de notre Constitution dit ceci. « Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. » Et écoutez bien la troisième phrase de l'article 4. « Les partis politiques doivent respecter les principes de la souveraineté nationale. » J'avais donc dit à M. Hortefeux, je suis désolé, mais à part l'UPR, tous les autres partis, puisqu'ils reconnaissent la souveraineté de droit divin de la Constitution européenne, de la Commission européenne et des traités européens, sont en fait anticonstitutionnels. Il m'avait regardé, il m'avait dit « Ah ben ça, celle-là, on ne me l'a jamais faite ». Je dis « On ne vous l'a peut-être jamais faite, mais c'est la vérité, monsieur le ministre ». Alors, on a un peu dévié, mais ça fait quand même du bien de rappeler les fondamentaux. Je redonne la parole à Gérard Poulain pour poursuivre sur notre débat, qui est quand même tout à fait passionnant, je crois. Merci, Président. Et merci ce que tu as dit, Frédéric. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Bon, ça a été un petit peu plus politique. Je vais rentrer maintenant dans une
partie un petit peu plus technique, parce que j'ai rencontré pas mal de gens lors de cette université, et il y avait un peu cette demande qu'on parle un peu sur les élections municipales. Donc je vais en dire quelques mots. Simplement, je voudrais rappeler, pour corroborer ce que disait Frédéric tout à l'heure, nous avons à peu près 70-80% des députés de La République En Marche qui ne savent pas comment fonctionne une commune. Ces gens-là votent les lois. Mais je trouve que c'est très grave. Dans notre département, nous avons aujourd'hui, on assiste à la fermeture. Je vois chez nous à Pont-l'Évêque, la trésorerie va fermer au 1er janvier 2019. Et il y a des préfectures aussi, des sous-préfectures qui sont en train de fermer, dont une chez nous, ça doit être Bayeux, qui est sur le point de fermer. Alors tout ça, c'est pour corroborer ce que disait Frédéric, qu'en fait, la République, l'État, se retire un peu de partout. En fait, donc vous êtes, on est livré à nous-mêmes. Regardez, j'ai cité quelque chose qui va vous faire plaisir, parce que je crois qu'il y en a plusieurs qui ont été confrontés à cela. Et quand il s'agit de changer de voiture et de refaire ou changer une carte grise, les difficultés qu'on peut rencontrer maintenant. Alors je vous laisse réfléchir un peu là-dessus. Je vais revenir un petit peu sur la mission des maires. Pourquoi on a autant d'émissions? Et après, je vous expliquerai un petit peu comment faire pour ne pas se décourager et s'orienter vers les municipales. Alors, la mission du maire, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était de pourvoir au bonheur de son peuple et de sa population et de son bien-être, sa façon de vivre, et voilà. Moi, dans ma commune, je n'ai pas augmenté les impôts pendant 8-9 ans. Alors, bon, il n'y a pas vraiment... de Gloria à ça. Enfin, sachant que, comme le disait Frédéric, il y a des nouveaux impôts qui ont été créés au niveau des intercoms. Et ça, c'est nouveau. Et on essaie de nous faire croire que ces gens-là, en fait, non, c'est minime, comme l'a expliqué Frédéric, ça, c'est très vrai. Alors, ce sont des compétences que l'on a transférées aux intercoms. Donc, il est de bon ton, puisqu'on n'a plus la compétence, de baisser un petit peu nos impôts, puisque c'est plus nous. Alors, c'est dans ce sens-là, en fait, que je suis allé. Hein, c'est-à-dire qu'on a baissé un peu nos impôts, mais ça se justifie par le fait qu'on a un peu moins de compétences, puisqu'on nous les a retirées. Donc, c'est aussi ça. Alors, pourquoi les maires démissionnent et ont un peu le moral à zéro? C'est parce que... je vous disais tout à l'heure qu'ils n'ont plus tellement de... On leur retire pas mal de pouvoir... Et les dotations, alors Frédéric a un peu de chance parce qu'il a été augmenté, lui. Moi, j'ai subi une baisse dans mes dotations. Cette année, j'ai dû perdre 180-200 euros, je crois. Tu vois, alors, on n'est pas la même enseigne, Frédéric, c'est pas normal. C'était plus 400, mais j'ai plus 400 euros. Ouais, non. Et j'ai noté quelque chose pour ça parce que... Alors, on nous baisse nos dotations, mais derrière... Vous savez que dans les communes, lorsqu'on fait des travaux, des investissements, on a des aides qui sont soit de l'État, ce qu'on appelle la DETR, dotation d'État, des territoires. D'équilibre. Hein, voilà. Et on a de la part du département ce qu'on appelle la PCR, l'aide aux petites communes rurales. Le problème, c'est que ces gens-là, en même temps qu'on nous a baissé nos dotations, ils ont modifié les critères d'attribution. Ce qui fait qu'avant, quand vous faisiez des travaux, vous demandiez une subvention, vous aviez quasiment la chance de l'avoir à chaque fois. Aujourd'hui, c'est plus vrai, parce qu'on dit « Ah non, monsieur, vous ne pouvez pas. Monsieur le maire, ça rentre pas dans la case. Donc là, vous ne pouvez pas y avoir. » Donc, bien sûr, on n'a pas la subvention. Donc, on finance nous-mêmes. Et le département a fait exactement la même chose. Donc, ils ont modifié les critères. Ce qui fait qu'en fait, on a, en plus de nos dotations, on avait ces possibilités. Donc, on ne les a plus. Puisque bah, faut vraiment choisir le credo, faire des travaux qui correspondent bien. Ou alors, on triche un peu. Moi, je triche un petit peu parce que je change un petit peu la nomination des travaux que l'on fait. Finalement, on arrive à en obtenir un peu. Mais on ne peut pas tout avoir. Bon, avant, on avait aussi des aides de nos parlementaires, hein, des sénateurs et des députés. Aujourd'hui, c'est fini, ça n'en a plus rien. Alors, vous voyez que... On nous réduit complètement dans nos... Alors ça, c'est difficile aussi à accepter au niveau des maires, parce que quand vous envisagez faire des travaux et autres, si vous n'êtes pas soutenu, si vous n'avez pas aide, forcément, ça devient de plus en plus compliqué dans les communes. Il ne faut pas non plus se voiler la face. Alors c'est ce qui fait
qu'il y a beaucoup de maires qui démissionnent parce qu'ils se rendent compte que lorsqu'ils ont été élus, eh bien, on leur a promis monts et merveilles et ils sont partis dans l'euphorie de l'élection. Ils ont été élus, ils ont pris la place, la fonction de maire. Et puis quand ils se retrouvent au bout d'un an ou deux les mains dans le cambouis, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus faire grand-chose en fait. Et là, forcément, soit ils démissionnent ou, comme le dirait Frédéric, ils ont des tentatives de suicide et autres, et des choses comme ça. Voilà un petit peu pour la mission des maires. Alors, je voudrais vous parler, parce que je sais que le temps passe et que vous avez sûrement des questions derrière, donc je voudrais parler un petit peu sur... vous savez qu'en 2020, on va avoir des élections municipales. Moi, j'y crois beaucoup. Vous savez, faut surtout pas se décourager. C'est pas parce que la mission est dure, mais la mission, elle est peut-être compliquée, mais elle est belle. En France, il faut savoir qu'on a... alors, c'est pas tout à fait récent, ce que je vais vous donner, mais on n'a pas plus... J'ai pas plus frais. Hein. On a 27 400 communes de moins de 1000 habitants, ce qui représente à peu près 15% de la population. Quand même important. Dans la loi sur les élections municipales... Alors, je vous explique tout ça parce que vous allez comprendre après. Dans la loi des élections municipales, avant, on avait un seuil à 3500 habitants. Maintenant, ils l'ont ramené à 1000 habitants. Vous avez deux types d'élections municipales. Vous avez les élections comme nous, dans les petites communes, où c'est un nom, et vous rayez, vous mettez ce que vous voulez, on peut, il n'y a pas de problème. Et vous avez aujourd'hui, dans certaines communes, où c'est des scrutins de liste. Alors moi, j'ai une petite commune, on a le droit de rayer, mais moi, je pars du principe que quand tous ces conseils que je vous donne, ceux qui ont envie de bouger et de s'investir, il faut les prendre en compte. Moi, j'ai toujours l'habitude de compléter ma liste. Moi, j'ai 7 conseillers dans mon conseil, de toujours compléter ma liste. Pourquoi je vous dis ça? Alors on me dit, oui, mais c'est pas démocratique. Je ne vois pas en quoi, si les gens sont volontaires. Pourquoi je le fais? C'est parce que je préfère présenter une liste de gens avec lesquels je m'entends bien pour essayer de gérer, au mieux, que d'avoir des listes qui soient conflictuelles. Ou au bout d'un... Moi, j'ai vu le cas dans une petite commune auprès de chez nous. Ils ont été obligés de refaire le conseil municipal parce que ça a démissionné à plusieurs fois. Ils ont recomplété leur conseil. Et puis là, le maire a complètement démissionné. Ils ont tout refait. Alors, si c'est ça, c'est un mandat de perdu. Vous ne faites rien. Donc, vaut mieux partir avec une équipe qui s'entend, où on est censé pouvoir travailler ensemble pour pouvoir évoluer. Hein ? Alors moi, je présente toujours une liste complète. Maintenant, les gens ont la liberté de rayer. Et voilà, ça, c'est pas un problème. Par contre, dans les communes au-delà de 1000 habitants, vous avez la parité qui est obligatoire, homme-femme. Nous, on ne l'a pas encore. Mais bon, dans les petites communes, c'est un peu compliqué. Et dans les listes au-delà de 3500 habitants, vous avez systématiquement... un scrutin de liste, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas rayer. Vous ne pouvez pas changer, vous êtes obligé. Vous avez plusieurs listes, vous voulez la liste A, la liste B, voilà, vous ne pouvez pas rien changer. C'est avec la parité. Et vous avez dessus un fléchage pour les gens, pour les élus qui iront à l'intercom. Alors que nous, dans nos petites communes, généralement, il n'y a que le maire et on a le droit qu'à une place au niveau de l'intercom. Donc c'est généralement le maire qui y va ou son adjoint en suppléant. Enfin bon, c'est souvent comme ça que ça se passe. Voilà un petit peu comment ça se passe pour comment ça va se passer pour les élections municipales. Je vais juste compléter ce qu'a dit Gérard. Je pense que si effectivement vous pouvez avoir des difficultés à essayer de mettre en relation votre appartenance à un parti politique et à l'existence connexe de la volonté que vous aviez tous ici de vouloir participer à un effort constructif d'un objectif d'ensemble. Alors, ce que je vous conseillerais aussi, je pense que dans l'investissement municipal, ce qui gagne, et j'en parlais tout à l'heure, c'est de s'investir pour les gens, pour son village, pour la France en fait, hein, pour la République, donc pour le fonctionnement général de la démocratie. Soyez animés de ces principes. N'y allez que si vous êtes convaincu d'avoir ces principes gravés en vous. N'allez pas au municipal défendre une idéologie. Défendez la conviction sereine que l'expression à travers vous du courant républicain démocratique sera vainqueur. Il faut partir comme ça.
les gens vont vous reconnaître de toute façon. Un citoyen lambda qui ne s'intéresse pas à la politique ni aux affaires municipales est toujours interloqué quand il voit quelqu'un être animé par la chose publique. Désintéressé. L'abord qu'on doit avoir dans l'intérêt de la chose publique doit être un abord désintéressé. Il doit être absent de calcul. Souvenez-vous toujours que ce qui vous fait ne plus pouvoir sentir tous ces représentants politiques qui manient à longueur de journée la langue de bois et qui vous roulent dans la farine depuis des décennies, on sait reconnaître tout ça. C'est pas ce qu'on a envie d'entendre de la bouche de quelqu'un qui vient se présenter pour demander votre voix et votre soutien au municipal. Allez-y avec un vrai projet, avec une vraie idée. Et je vous dis simplement le fait d'y aller avec une conscience pure Voilà, moi je pense qu'il faut y aller comme ça. Après, que les gens s'aperçoivent par la suite que vous êtes UPR et que vous soutenez François Asselineau, qu'importe, vous voyez ce que je veux dire. Ça fera d'autant plus réfléchir après par la suite, peut-être. Personnellement, quand je me suis présenté au municipal, je ne connaissais pas encore François Asselineau. Hein. Enfin, j'avais écouté des conférences, mais je n'avais même pas compris que c'était quelqu'un qui faisait de la politique. En fait, je me disais, c'est un historien ou c'est un blogueur qui... Et ouais, mais la conférence était longue, c'était l'histoire de France, et j'avais regardé qu'une heure et demie. Donc, je n'étais pas allé jusqu'au bout. Et c'est qu'ensuite, quand j'ai reçu la profession de foi, que j'ai dit, mais je le connais, celui-là. Et après, ça s'est embrayé. Mais cette impulsion que j'ai eue ne participait pas du tout d'une envie d'appartenance à un mouvement politique. Non, j'ai dit, il faut que je fasse une liste, parce que je pense que la façon dont je ressens cette fibre française et tout cet héritage rural et tout, il faut que ça reste en vérité, en réalité, comme c'était dans mes souvenirs d'enfance, et quitte à y donner une plus-value, la plus-value de l'expérience, de la réflexion et de la modernité, mais voilà, porter cet élan au pouvoir. Soyez animé de ça, que vous soyez UPR ou que vous ne soyez pas UPR, enfin là vous êtes UPR, heureusement, mais que vous soyez animé par ça, et vous aurez d'autant plus de facilité à rallier des gens qui ne sont pas dans la politique ou qui n'ont pas l'habitude de faire de la politique, justement à vos côtés, parce que vous portez des choses saines et reconnaissables d'entre les générations parmi nous. Alors, merci beaucoup. Je voudrais rajouter... Juste rajouter un petit quelque chose. Sachant que dans les petites communes, quand on commence à parler politique, hein, c'est pas forcément bien vu. Voilà. Hein. Alors, c'est pas la peine de parler du PR. N'ayez pas peur de votre drapeau, bien au contraire. Hein, mais c'est pas forcément le cheval de bataille. On s'intéressera. Surtout, n'oubliez pas. Et ça, il faudra nous le faire remonter. Si vous avez une commune rurale, parce que ça, ils nous attendent à ce niveau-là. On nous dit... partout, que de toute façon, il va y avoir un problème de vocation. Il y aura des communes qui n'auront pas de maire. Ça fait le bonheur de nos adversaires, parce que s'il n'y a pas de maire, eh bien, ils vont fusionner les communes. Hein ? Donc, nous, notre mission, moi, je me bats pour ça, hein, c'est de défendre nos communes rurales, parce que on va créer des déserts ruraux. Si vous avez des communes où il n'y a pas de personnes candidates, il faut nous le dire. On essaiera de voir au niveau de nos adhérents si on ne peut pas en propulser, si on ne peut pas, pour éviter qu'on ait des communes qui se retrouvent sans maire. Ça, on ne peut pas le laisser faire. Hein. Moi, je me bats tous les jours. Je fais, pour tout vous dire, ça fait un an que j'essaie de joindre l'AMRF, l'Amicale des maires ruraux de France, auquel j'adhère en tant que commune, hein, pour créer une association sur le département du Calvados, sur une partie de notre département. Parce que les maires sont complètement délaissés. Les nouveaux maires aujourd'hui, ils arrivent, ils savent même pas, ils sont dans une panade, ils n'ont pas tout compris, et c'est pas simple. Hein. Bon, il y a quand même pas mal de choses à apprendre. Alors, le but de cette association, c'est de venir en aide, les aider lorsqu'ils ont une difficulté, les éclairer, comment prendre la bonne décision, parce que des fois, on est un peu perdu. Moi, je me rappelle quand j'ai été élu en 95, c'était au mois de juin, puisque c'était l'année de l'élection de Jacques Chirac. Au mois de septembre, j'ai un promoteur qui avait envisagé faire un lotissement sur la commune. Il a, malheureusement, ça s'est terminé au tribunal administratif. Je ne l'ai pas su. Et je n'ai pas pu acheter les terrains.
Il y avait 8 hectares de terrain achetés. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on va en faire un lotissement, mais c'est une propriété privée. C'est un investisseur privé qui a des terres. Si j'avais été averti suffisamment tôt, eh bien, on a des possibilités au niveau de nos communes de faire acheter par des établissements publics. J'aurais fait acheter les terrains qui ont été vendus une bouchée de pain. Hein. Ça a été vendu 4 fois rien. Et à partir d'aujourd'hui, je serai propriétaire de ces terrains au niveau commune. Et ça, c'est important parce que ces terrains-là, aujourd'hui, sont privés. C'est un investisseur privé. On est en train de le transformer. On va faire un lotissement puisqu'on a 30 parcelles à construire sur cette surface-là. Mais on ne maîtrise pas l'avancement parce que forcément, on n'a pas les... j'ai pas l'assise foncière. Quand c'est un investisseur privé, eh bien, il va à sa cadence. Tandis que nous, en tant que maire, on n'a pas forcément l'argent pour le faire, mais on peut déléguer à des sociétés spéciales qui peuvent le faire et qui avancent beaucoup plus vite. Alors c'est pour ça, vous voyez, une information que je n'ai pas eue au bon moment, ce qui fait que voilà, je suis passé à côté de choses comme ça. Alors c'est pour ça. Donc cette association, j'ai réussi à... On a une réunion demain soir d'ailleurs à ça. J'ai convoqué 100 de maires, on en attend 50, pour arriver à mettre en place cette association. C'est l'Amicale des maires ruraux de France, qui est une très très bonne association pour nous venir en aide. Contrairement à l'AMRF, hein, je veux pas... Hein, L'AMF, qui est une amicale nationale qui gère surtout les intercoms, les grandes villes, les choses comme ça. Mais les petites communes rurales, on s'en moque un peu. Alors, c'est pour justement éviter la mise en place de tous ces déserts dont on veut nous imposer. Merci. Je rappelle que dans le programme présidentiel de 2017, j'avais été le seul des 11 candidats à prévoir, à dire qu'il fallait donner un coup d'arrêt aux fusions de communes et à avoir pris l'engagement que toute fusion de communes devrait obtenir l'aval des populations concernées consultées par référendum. J'étais le seul candidat à l'avoir proposé. Je vous... On aurait pu encore avoir mes lives. Il faut vraiment qu'on laisse la salle vide à 13h dans 25 minutes. On va fermer la boutique dans quelques minutes. Je voudrais vous remercier toutes et tous pour la qualité, encore une fois, de ces débats et des questions qui ont été posées, pour la qualité de l'écoute. Merci. Vous avez maintenant... je pense que vous pouvez repartir gonflé à bloc dans tous les coins de France et de Navarre pour faire valoir tous les développements futurs et à venir de l'Union populaire républicaine. Merci à toutes et à tous. On vous attend pour le déjeuner. Vive la République et vive la France! Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez.